chaque moment, à chaque pause, dans chaque cycle, devant chaque porte. Dans chaque rayon de lumière qui se répand et brille, un endroit si transcendant qu'il inspire, un endroit que sans effort, on admire. Mais c'est au-delà de ces quatre murs que règne la liberté et se dissipe la peur. Juste un moment pour respirer, faire une pause et réaliser qu'un jour, tout a existé pour quelque chose. Voué à un but, créé avec amour, il n'y a pas à en douter. Conçu pour une relation, sa mort déchira le voile. Ce même roi, né d'une vierge. C'est ce qui est écrit, même dans le paysage, une réelle communauté, centrée sur le divin, qui nous invite à la royauté. À chaque moment, dans chaque ligne, à chaque ombre, dans chaque vigne, dans chaque rayon de lumière qui se répand et brille, un espace si transcendant qu'il inspire, un monde que sans effort on admire. Emmanuel, Dieu avec nous. Bonjour à tous, bonjour Église Nouvel Impact. On est super contents d'être avec vous ce matin. Alors j'avais à cœur de vous lire un verset dans Jean 4, verset 23, qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qu'il adore ainsi. » Alors au cas où vous n'auriez pas crié de folie chez vous, je vous répète, Jean 4, verset 23 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qu'il adore ainsi. » Ok? Alors j'ai envie qu'on soit des vrais adorateurs, des adorateurs qui plaisent à Dieu ce matin, ok? Alors laissez-vous remplir par le Saint-Esprit, laissez-vous recevoir ce que Dieu a prévu pour vous ce matin. On va chanter ensemble et louer Dieu. Tu m'as rencontré étant pécheur. Je t'ai trouvé, tu m'attendais. Inattendu, tu es toujours là. Oh, guide en tous mes pas. À l'église ensemble, éclaire le chemin de ton cœur. Déplace-moi où tu veux que je sois. Vole-moi comme le fait le vent. Je suivrai ta voix dans le noir. Fixe mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des pas de ton nom. Je suivrai ton empreinte. N'abandonne jamais le perdu. Ton amour ouvre la voie inattendue. Tu es toujours bon et réjouissant. Tu es toujours bon. Le chemin
futur pour ma vie. Ton cœur indescriptible me mène vers ton chemin pour moi. Quand je pense à la coupe que tu as prise par amour, je sais que ta grâce m'accompagne. Allez, tout le monde. Éclaire le chemin de ton cœur. Déplace-moi où tu veux que je sois. Envole-moi comme le fait le vent. Je suivrai ta voix dans le noir. Fixe mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des pas de son nom. Et je n'aurai pas peur. À tous égards, tu n'échoues pas, quitte ma vie. Bonjour Église Nouvelle Impact, bonjour à chacun de vous qui êtes fidèles dimanche après dimanche. Une bienvenue particulière si vous découvrez notre service en ligne. En tout cas, nous sommes heureux d'être là avec vous. Ce matin, on a déjà commencé à passer un moment incroyable avec le groupe de louanges. Oh, quel chant! En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous encourage bien entendu à partager ce service, enfin le lien de ce service en ligne, et voire même de le regarder avec des amis ou la famille. Alors, dans Philippiens, nous allons lire quelques versets où Paul, qui est en prison, donne vraiment des mots qui peuvent encore nous encourager ce matin. Philippiens 3, versets 8 à 14. « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Bien entendu, Paul parle de gagner Christ, il parle de la connaissance personnelle qu'on doit avoir, qu'il a aussi en Christ. Et là, je voudrais juste vous encourager à regarder à nouveau le début de la série Connaître Christ qu'on a débuté avec le pasteur Salvatore, et bien entendu, d'attendre avec impatience la suite. Mais il y a cette course vraiment dont Paul parle, qui est une course vers enfin, il est focalisé sur les choses célestes. Et ce matin, je voudrais vraiment vous encourager. Pour Paul, qui était malgré dans ce qui était dans ses difficultés, il savait que sa vie en Christ valait plus que toute autre chose. Et malgré les circonstances, malgré les difficultés, et je voudrais vraiment t'encourager ce matin, peu importe par quoi tu passes, peu importe les situations difficiles, la saison négative peut-être dans laquelle tu es, je voudrais simplement t'encourager à tenir bon dans la foi et te rappeler que même si tes yeux physiques ne voient rien, Dieu est déjà en marche. Et sache une chose, Dieu n'abandonne pas, sa main n'est pas trop courte pour agir, il est là avec puissance, il n'y a pas des situations trop complexes pour lui. Donc sois encouragé ce matin, Dieu vraiment est fidèle. Amen. Alors, avant de poursuivre, parce que Adrien va nous apporter un message qui, je sais, sera vraiment bénissant, vraiment, nous allons prier tous ensemble. Seigneur,
Saint-Esprit, nous t'invitons, prends la place qui t'est due maintenant et parle à nos cœurs. Nous voulons vraiment nous laisser transformer par toi. Donc, que tu puisses vraiment œuvrer librement. Nous sommes vraiment avec nos cœurs ouverts devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs peut-être qui passent par des difficultés, par des saisons compliquées, par des situations difficiles. Nous savons que ta main n'est pas trop courte pour agir. Nous savons que nos yeux, peut-être physiques, ne voient rien, mais que tu es déjà en mouvement, Seigneur Jésus. Et je veux vraiment, Seigneur Jésus, leur rappeler que tu les aimes, que tu es fidèle, que tu es bon et que vraiment ton désir est vraiment d'apporter la joie de les voir grandir et d'être plus proche de toi. Sois loué, sois béni, bénis ton église ce matin. Amen. Alors, prenez de quoi noter et on se retrouve un peu plus tard. Bonjour la famille Nouvelle Impact, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, super, super bien. Je suis tellement heureux d'être ici devant vous ce matin. Et avant de commencer mon message, je tenais simplement à remercier le pasteur Salvatore ainsi que toute l'équipe pastorale pour cet honneur que vous me faites de pouvoir partager la parole. Je me sens vraiment privilégié, béni, honoré et vraiment reconnaissant pour cet honneur, cette grâce en fait. Le titre de mon message s'intitule « Comment hériter de la vie éternelle ?» En d'autres termes, comment être sauvé? Vous savez, cette question elle a traversé les âges, les siècles et les millénaires. Au fond, nous, à des degrés différents, on s'est tous déjà posé et on a tous cette peur en fait, de vieillir et même de mourir. Par exemple, on fait beaucoup de sport pour rester en forme. On s'applique toutes sortes de crèmes et de soins pour rester jeune et beau. La chirurgie esthétique est également fort à la mode à l'époque actuelle, justement, encore une fois, pour rester jeune et beau. Et certains refusent même de vieillir en continuant à s'habiller jeunes. Je suis certain que vous allez reconnaître un proche. Mais il y a une vérité indiscutable, un fait implacable, sur lequel personne ne peut discuter. C'est que tôt ou tard, nous allons mourir. Mais au fond, nous, pensez-vous réellement que la vie s'arrête là? Vous mourrez, vous redevenez poussière, puis basta? Bien sûr que non. Soyons honnêtes, ne nous voilons pas la face ce matin. Au fond, nous, Dieu a placé la pensée de l'éternité, Ecclésiaste 3, 11. Mais cette vie après, c'est au-delà en fait. C'est une vie éternelle avec Dieu ou une vie éternelle sans Dieu? C'est le paradis qui nous attend ou c'est l'enfer? Comment hériter de la vie éternelle? Comment être sûr d'obtenir son salut? Je sens que ça va être bon ce matin. Mettez des dans les commentaires. Alors, avant de réellement étudier le récit sur lequel toute la prédication se penche, qui est le récit du jeune homme riche que vous connaissez peut-être, qu'on retrouve en Marc 10, 17 à 31, je tâchais simplement de résumer un peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas en quelques lignes. On a un homme riche qui vient trouver Jésus avec cette question qui le taraude. Et cette question, c'est comment obtenir la vie éternelle? Il respecte déjà un bon nombre de commandements, mais Jésus va lui demander de le suivre en abandonnant toutes ses richesses. Lui, il va refuser et va s'en aller tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc on a un jeune homme riche qui a cette question qu'on se pose ce matin, comment obtenir la vie éternelle? Et Jésus va lui expliquer que pour cela, il faut qu'il devienne son disciple et qu'il le suive. Donc retenez bien cela. Comment hériter de la vie éternelle égale suivre Jésus. Mais alors, comment suivre Jésus? Vous savez, souvent dans cette histoire du jeune homme riche, on va présenter l'idolâtrie du jeune homme riche, c'est-à-dire son amour démesurément grand pour ses richesses, son incapacité à suivre Jésus parce qu'il était trop attaché à ses biens, à ses richesses. Et cela est totalement vrai, mais il y a un problème plus profond. Et on va essayer de le repérer en fait. On va voir qu'il y a des incompréhensions entre Jésus et le jeune homme riche. Littéralement, le jeune homme riche ne va pas saisir quelques paramètres importantissimes pour pouvoir répondre à la demande de Jésus. Analysons le texte. Marc 10 au verset 17. Lisons ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Alors le texte s'ouvre avec le verbe accouru. Et si Marc utilise ce verbe-là particulièrement, ce n'est pas
anodin. Il n'a pas utilisé le verbe marcher ou avancer. Ensuite, il va dire se jeter à genoux. Encore une fois, ce n'est pas anodin. Il ne va pas utiliser le verbe il pose la question debout ou assis. Non, il va le faire à genoux, en se jetant à genoux. En fait, Marc veut que nous sachions, en utilisant le verbe accourir et se jeter à genoux, que réellement le jeune homme est empressé. Il veut transmettre l'empressement du jeune homme, le désir ardent en fait d'avoir une réponse à cette question qui est réellement le taraude. Puis le jeune homme va dire « Que dois-je faire ?» J'ai essayé sur l'infinitif « faire ». En fait, le jeune homme riche pense à des bonnes œuvres. Il pense à des actions qu'il doit accomplir pour hériter de la vie éternelle. Puis il va l'appeler « bon maître ». Il va appeler Jésus « bon maître ». Et là, il y a déjà un couac. Parce qu'il ne va pas voir Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Non, il va le voir comme un enseignant moralement bon, comme un homme bon en fait, vers qui on se tourne pour recevoir des conseils sages. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que sa vision en fait de Dieu, comme beaucoup d'entre nous, elle est religieuse. Il pense que ce sont par les œuvres qu'on est accepté en fait par Dieu, ce sont par les bonnes actions qu'on est accepté par Dieu. Par cette appellation, bon maître, il démontre qu'il ne connaît pas réellement Jésus. Justement, en parlant d'œuvres, Jésus va les évaluer, va les juger, va lui demander s'il respecte tous ses commandements. Et sa réponse sera immédiate, oui, dès ma jeunesse. Alors on pointe ici le premier problème, la première incompréhension entre Jésus et l'homme riche. C'est celle que le jeune homme riche connaît, la religion, mais non la foi. Le religieux comme lui, parce que c'est un religieux, il connaît la loi, il la respecte, comme beaucoup de gens respectent la loi, mais il ne connaît pas sa nature pécheresse et son besoin indispensable de grâce pour être sauvé. En effet, en fait, la Bible nous apprend que nous naissons tous pécheurs. Peu importe qui tu es, tout le monde sur terre naît pécheur, a une nature pécheresse de base, de naissance. En Romains 3:23, on le voit. Mais cette conséquence de cette nature pécheresse, c'est directement en fait l'enfer. C'est directement l'éternité loin de Dieu, en fait. Et on le voit en Romains 6:23. En fait, le problème du jeune homme riche, c'est qu'il croit au salut. Il croit qu'on obtient la vie éternelle par nos bonnes œuvres, par nos mérites, en fait. Petite illustration pour que vous puissiez bien comprendre ma pensée. Imaginez que vous essayez de trouver par vos propres efforts le vaccin contre la Covid. Alors que vous n'êtes pas scientifique, alors que le vaccin a déjà été trouvé et qu'en plus de cela, il vous est offert. Vous n'avez même pas besoin de travailler pour le mériter, vous n'avez même pas besoin de l'acheter, juste, vous devez l'accepter. Eh bien, tu es peut-être cette personne moralement bonne, peut-être que même les gens autour de toi te qualifient de bonne personne. Oui, lui, c'est une bonne personne. Parce que tu ne voles pas, tu n'as jamais trompé, tu n'as jamais tué non plus, tu n'as pas commis d'adultère. Tu honores ton père et ta mère en sortant les poubelles et en vidant la vaisselle. Tu vas à l'église le dimanche. Tu lis le verset du jour sur ton application. Tu as déjà participé à un camp chrétien. Tu fais même le Notre Père. Tu le connais le Notre Père. Et tu pries avant de manger. Mais laisse-moi te certifier que ce témoignage extérieur que tu es en train de soigner, ces bonnes œuvres que tu es en train d'accomplir, aussi nombreuses soient-elles, aussi régulières soient-elles, aussi immenses soient-elles, elles ne vont pas te sauver, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est impossible d'être sauvé par nos bonnes œuvres. Seule la foi en Jésus-Christ peut te sauver, en fait. Alors, René Bess aussi, pour suivre Jésus totalement, pour lâcher prise complètement, tu as besoin de connaître sa grâce et de te reposer entièrement sur elle. Se reposer entièrement sur la grâce de Dieu, cela signifie que tout a déjà été accompli à la croix. Par Jésus, pour toi. Tu ne dois rien accomplir de plus, rien ajouter en plus. Ce sacrifice à la croix, il est déjà parfait. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a porté tous tes péchés. Tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs. Tout a été porté à la croix, tout a été effacé à la croix. Ta nature pécheresse, qui avait une emprise sur toi, tu en as été délivré grâce à Jésus. Et tu n'as rien à faire pour cela, juste tu dois l'accepter. Et ce que tu dois juste faire, c'est comme un anniversaire. Imaginons que c'est ton anniversaire ce matin. Tu reçois un cadeau. Lorsqu'on reçoit un cadeau pour son anniversaire, on n'a pas besoin de travailler pour le recevoir.
On n'a pas besoin de faire le bien, en fait, pour pouvoir être digne de le mériter, de l'acquérir. Juste, on l'accepte, on le saisit et on dit merci. C'est exactement la même chose. Ce que Jésus a fait à la croix, tu l'acceptes par la foi, en te repentant de tes péchés et en plaçant toute ta confiance en lui. En conclusion, le premier problème de l'homme, c'est qu'il ne connaissait pas assez la grâce immense de Dieu. En effet, retenez bien ça. Et si vous avez un carnet, mettez du fluo vraiment. La grâce n'est pas à propos de ce que tu dois faire, mais c'est à propos de ce qui a déjà été fait pour toi. Saisis-le par la foi. Amen. Alors passons à la deuxième incompréhension. Lisons verset 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. L'ayant regardé, Jésus l'aima. Dans d'autres versions, on a « ayant fixé son regard sur lui, Jésus l'aima ». En grec, le verbe « aimer » est traduit par « ega pesson » qui signifie « aimer à la façon de Dieu ». Aimer à la façon de Dieu, c'est ce qu'on appelle, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, l'amour agapé. Et cet amour agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Un amour infini. Un amour qui ne connaît pas de limite, en fait. Un amour qui ne dépend pas de ce que tu peux faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, penser ou ne pas penser. Juste, c'est un amour qui aime pour aimer. Mais la question qu'on peut se poser, vraiment, c'est la question que je me suis posée, mais pourquoi en fait Marc spécifie Jésus l'aima ? Il aurait très bien pu omettre cette petite expression, ça n'aurait pas changé la compréhension du cours des événements. Mais il veut nous transmettre une information très importante. La première, c'est qu'il veut que nous sachions que Jésus voit la sincérité du cœur du jeune homme qui a envie de plaire à Dieu, de faire ce qui est bien à ses yeux. Voilà pourquoi il l'aime. Et la seconde information qu'il veut nous transmettre, et retenez bien ceci, vraiment, c'est tellement important. Il veut que le lecteur sache que ce que Jésus s'apprête à demander au jeune homme, le commandement que s'apprête à énoncer Jésus, il est motivé par l'amour. Retenez bien ceci, notez-le en gras, en fluo, notez-le, surlignez-le. Chaque commandement est motivé par l'amour. Chaque parole prononcée par Jésus est motivée par son amour. Poursuivons le texte. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce que Jésus demande, ce n'est pas juste pour l'éprouver. Ce n'est pas quelque chose juste pour l'embêter. Ce n'est pas un défi qu'il lui lance en fait. C'est parce que tout d'abord, c'est la seule et unique réponse à sa question, comment hériter de la vie éternelle, c'est devenir son disciple et le suivre. Mais il veut vraiment nous transmettre que Jésus est plus qu'un bon maître. Jésus et Dieu lui-même qui aime particulièrement le jeune homme riche. Comme toi aussi, il t'aime particulièrement, personnellement en fait. Mais l'homme s'assombrit à cette parole. Que fut la réponse du jeune homme riche? Il va s'en aller tout triste parce qu'il avait de grands biens dont il ne voulait pas se séparer. Il s'assombrit à cette parole. À cette parole. En fait, pourquoi il était triste? Parce qu'il a écouté ce commandement, cette parole. Et il va refuser de vendre ses richesses pour le suivre. Son problème, en fait, c'est qu'il était plus concentré sur le commandement de Jésus que sur le regard rempli d'amour que Jésus lui portait. Il n'a pas réussi à ressentir, en fait, l'amour de Jésus pour lui. Cet amour agapé, cet amour inconditionnel que Jésus avait pour lui. Et comment suivre quelqu'un dont on ne ressent pas l'amour et dont on ne ressent pas donc la confiance, en fait? Petit exemple, pour beaucoup de gens, leur rêve, c'est de faire le tour du monde. Peut-être c'est votre rêve. Et pour faire un tour du monde, c'est très simple. Il faut être prêt à accepter de tout quitter. C'est-à-dire quitter son travail, quitter ses études, quitter sa famille, ses amis, quitter son chien, son chat, ses hobbies, son sport, son cercle d'amis. Bref, tout quitter. Imaginons maintenant qu'un homme dans la rue vous accoste et vous dise « J'ai un rêve, celui de faire tout le tour du monde. Viens, suis-moi. » Je dis très fortement que tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas et que personne n'est friand de ce genre d'expérience de l'inconnu. C'est pas rassurant de suivre un homme jusqu'au bout du monde et de faire un tour du monde avec lui. Maintenant, admettons que c'est votre professeur de français qui vous le demande. Celui que vous avez eu en rideau, vous le connaissez. Il est beau gosse, il est gentil, il est drôle, il a les mêmes centres d'intérêt que vous. Et vous demande ce tour du monde. C'est le même rêve que le vôtre. Pourtant, je doute encore une fois que vous accepteriez. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne le connaissez pas encore suffisamment.
Maintenant, admettons que c'est votre copain, votre copine, votre mari, votre femme, votre meilleure amie qui vous le demande. Il vous dit que ce sera l'expérience la plus inoubliable, la plus extraordinaire de votre vie, que vous n'allez pas le regretter, que ce ne sera pas pénible en fait de le suivre. Vous serez bien plus disposé à accepter. Pourquoi ? Parce que vous le connaissez. Vous connaissez l'amour qu'il a pour vous. Vous savez que ce ne sera pas quelque chose d'immensément pénible. En conclusion, tout abandonner et suivre quelqu'un qui nous aime démesurément est bien plus facile qu'une personne qu'on ne connaît pas. Le problème des gens est qu'ils veulent hériter de la vie éternelle. Ils veulent être sauvés, mais sans connaître Jésus. Ils veulent suivre Jésus sans le connaître ou en croyant le connaître. Ah, moi, je connais Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, je connais Dieu. Je suis sorti avec un chrétien, avec une chrétienne. Moi, je connais Dieu. Je vais à l'église tous les dimanches. Moi, je connais Dieu. Je suis allé à une retraite ou à un camp. Moi, je connais Dieu. J'ai fait le catéchisme. J'ai fait l'école du dimanche. J'ai même suivi un cours de religion en secondaire. Mais retiens bien ceci. Il est impossible, je dis bien impossible, de s'abandonner totalement à Jésus si on n'est pas convaincu de l'amour agapé qu'il a pour nous. Aujourd'hui, Jésus veut que tu saches que Dieu t'aime personnellement, intimement, toi particulièrement. Que cet amour inconditionnel, il est pour toi, peu importe ce que tu as fait en fait. Peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as pensé. Cet amour infini, il a commencé avant même ta naissance. Il a trouvé son accomplissement parfait à la croix, lorsque Jésus est mort pour effacer tes péchés. Pas simplement les péchés de l'humanité, mais également tes péchés, les tiens, tes fautes en fait. Tes fautes passées, tes fautes présentes, tes fautes futures. Et cet amour parfait ne trouvera jamais de fin, ne trouvera jamais de limite. Amen. Jésus veut que tu connaisses, non pas intellectuellement son amour, comme une leçon que tu aurais bien apprise. Je ne veux pas que tu connaisses son amour parce que je viens de te le dire en fait. Jésus veut encore moins que tu connaisses son amour parce que tu viens de le lire dans la Bible. Jésus veut que tu connaisses son amour parce que tu as eu cette révélation dans ton cœur, parce que tu as cette connaissance profonde, intime, personnelle, subjective de cet amour. Écoute bien ceci, tu as besoin d'entendre ça. Si tu n'as pas encore lâché prise sur toute chose, c'est que tu ne vis pas encore suffisamment l'amour de Dieu pour toi. Si tu n'arrives pas à le suivre, c'est que tu n'as pas encore suffisamment expérimenté l'amour de Dieu en toi. Laisse-moi te le répéter ce matin. Si tu n'arrives pas à suivre Jésus, c'est que tu n'as pas encore suffisamment expérimenté l'amour de Dieu inconditionnel pour toi ce matin. En conclusion, le deuxième problème de l'homme, c'est qu'il ne connaît pas assez l'amour agapé de Dieu pour lui. En effet, l'amour de Dieu ne se sait pas. Mais il sait se vivre et il doit se vivre. Oh, laisse-moi le répéter, notez-le même dans le chat. L'amour de Dieu ne se sait pas, mais il sait se vivre et il doit se vivre. L'amour de Dieu n'est pas théorique, mais il est empirique, c'est-à-dire expérimental. Il s'expérimente, il se vit. Passons à la troisième incompréhension. Marc 10, 22. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Le jeune homme riche a pensé que dans la balance, ça lui coûtait plus de suivre Jésus et d'hériter de la vie éternelle que de lâcher toutes ses richesses et tous ses biens. Mais était-il réellement conscient de l'héritage qu'il avait en Jésus-Christ? Était-il réellement conscient de la valeur de ce sacrifice? Regardez ce que la Bible nous dit un peu plus loin dans Marc 10, 29 à 30. Jésus répondit, il parle à ses disciples. « Je vous le dis en vérité. » Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Oui, suivre Jésus a un coût, celui de lâcher ce qu'on a de plus cher à nos yeux pour lui, parce qu'il veut la première place dans ton cœur. Mais retiens bien ceci. Mais ce qui est cher à tes yeux aujourd'hui sans Jésus ne le sera pas demain avec Jésus en le connaissant. Oh, laisse-moi te le répéter ce matin. Ce qui est cher à tes yeux aujourd'hui sans Jésus ne le sera pas demain avec Jésus en le connaissant. Vous savez, petit témoignage, avant d'être en Christ, certains le savent, d'autres pas. Moi, ce qui était le plus cher à mes yeux, c'était le foot.
toute ma vie était dictée par le football. Je mangeais foot, je dormais foot, j'avais 4 entraînements semaine plus un match. Et encore en plus de ça, je m'octroyais des séances supplémentaires parce que je voulais toujours être plus meilleur. Je voulais percer tout simplement, c'était mon rêve d'être footballeur. Mais tout était articulé autour du foot. Toute ma famille, leur vie même était rythmée par le foot. Et c'est ce que je considérais être comme mon plus grand bien en fait, ce que je pensais être, qui me rendait en fait heureux tout simplement. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai compris quel était le plus grand bien. J'ai compris quel était le réel bonheur. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose, un amour qui était démesurément plus immense. Un bonheur qui était rassasiant en fait. Ce bonheur-là, je l'ai trouvé en Jésus. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie en fait. Et c'est quand certains me disent encore une fois que je croise dans la rue, dans un coéquipier ou dans un ami qui me voyait, etc. Ils me disent, mais Adrien, je ne comprends pas, pourquoi t'as pas continué en fait? J'ai écouté, j'ai trouvé quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus satisfaisant, de plus rassasiant. Et c'est Jésus en fait. Et je ne regrette pas. Alors ça ne veut pas dire que je ne fais plus de foot ou qu'il faut maintenant que vous arrêtiez votre hobby, votre sport, etc. Bien sûr que non. Mais j'ai compris qu'en fait, ça ne devait pas occuper la première place. Mais c'était la place de Jésus, en fait. Alors, de plus, la Bible nous apprend en fait qu'il y a ce coût cher, ce coût de tout abandonner pour le suivre, en fait, tout abandonner ce qu'on a le plus cher. À ce coût cher est lié une récompense bien plus chère, bien plus élevée, laquelle? La vie éternelle. Une vie épanouissante également, dans le temps présent. Une vie où tous tes besoins seront comblés, mon frère, ma sœur. Alors, certes, comme le dit ce verset, et je ne veux pas taire cette partie-là de la parole, je ne veux pas simplement prêcher juste une partie de la parole et délaisser la partie de la parole qui est un peu moins agréable à lire. Oui, dans le temps présent, sur terre, on recevra au centuple avec des persécutions. Oui, à cause de Jésus, tu seras moqué, tu seras critiqué, tu seras jugé, tu seras mis de côté, tu auras des conflits avec tes proches à cause de ta foi, avec ta famille, avec ta copine, avec tes amis d'enfance. Mais à titre de comparaison, les premières persécutions des chrétiens, eux, vous savez ce qu'ils vivaient? Ils vivaient des mises à mort, ils vivaient des crucifixions, ils vivaient des tortures, des lynchages, des lapidations. Ils étaient brûlés vifs, ils étaient jetés dans les arènes au four en fait. Ils étaient expulsés de leur cité. Voilà les persécutions qu'ils vivent. Alors je ne veux pas minimiser ce que vous vivez peut-être comme persécution actuelle, vraiment pas. Mais je veux juste que vous puissiez prendre un peu de recul et savoir qu'ici en Occident, nous, on ne court pas ce risque-là. Tout ce qu'on risque, des moqueries, des jugements, oui, des conflits avec notre famille, avec nos amis, avec nos proches, oui. Mais pas ces persécutions-là, ces mises à mort, en fait. Soyons reconnaissants, en fait. Soyons reconnaissants réellement envers Jésus. Et sachons également que dans le globe actuellement, des gens en Corée du Nord, en Chine, en Afghanistan, en Nigeria, en Somalie, au Pakistan, en Inde, vivent encore des mises à mort, en fait, pour leur foi. Mais Dieu est bon et fidèle pour combler tous tes besoins. Pas tous tes désirs, mais assurément tous tes besoins. Parce que c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Nous pointons ici le troisième problème, la troisième incompréhension entre le jeune homme riche et Jésus. C'est celle qui ne connaissait pas l'héritage immensément grand, incomparable, qu'offrait Jésus à quiconque abandonne ce qu'il a de plus cher pour le suivre. Un petit exemple pour illustrer ma pensée. Imaginez que vous êtes restaurateur, c'est peut-être même votre profession. Près de chez vous, il y a un nouveau maraîcher qui vient d'ouvrir et qui vous propose de venir vous fournir en légumes et en fruits. Mais vous avez déjà un fournisseur actuel et vous êtes content de celui-ci. Maintenant, admettons plutôt qu'il vous fasse connaître ces produits. Comment? Parce que vous les dégustez et vous les trouvez vraiment délicieux. En plus de ça, vous apprenez qu'ils sont bio, plus frais et moins chers que votre fournisseur actuel. Allez-vous garder ce fournisseur que vous connaissez? Ou allez-vous directement changer? Bien sûr que oui, vous allez directement changer parce que vous mesurez le rapport coût et bénéfice et vous savez que vous allez y gagner en changeant de fournisseur. Trop de non-chrétiens et même de chrétiens éprouvent des difficultés à suivre Jésus parce qu'ils évaluent mal le rapport entre coût et bénéfice. Ils pensent que ça coûte trop de lâcher ce qu'ils ont de plus cher à leurs yeux afin de suivre Jésus, à savoir leur richesse. Ça coûte d'autant plus en sachant que dans le monde actuel, tout est dicté par l'argent. Pas de revenus, pas de loyer,
Pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas de TV4K, pas de Merco, pas de vacances, pas de maison de leurs rêves, pas de hobby, pas de sport, pas d'abonnement Netflix, Disney+, Proximus, Orange, vous, afin de mater tous les matchs qu'ils désirent, les films et séries préférées. Mais laisse-moi te dire cela, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8:36. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alors peut-être que toi, tu te dis que les richesses dont tu ne veux pas te séparer ne sont pas liées à l'argent. Ce n'est pas ça ton problème. Mais dans ta vie, ça peut évoquer tout ce qui occupe la première place dans ton cœur, c'est-à-dire ta carrière professionnelle. Peut-être que tu as cette obsession de toujours vouloir gravir les échelons dans la société. Peut-être que c'est ta carrière sportive. Peut-être que c'est la recherche du grand amour. Peut-être que ce sont tes amitiés qui occupent la première place. Peut-être que ce sont ton confort, le sexe, les jeux d'argent, les soirées trop arrosées, les jeux d'alcool. Mais qu'est-ce que c'est bien éphémère et périssable comparé au bien éternel et impérissable que t'offre Jésus? Jésus t'offre la vie éternelle et tu choisis des plaisirs momentanés. Alors bien sûr que Jésus n'a jamais promis une vie toute rose. Et je ne vais pas te le promettre, et la Bible ne te le promet pas. Une vie sans persécution et sans épreuve. Mais laisse-moi juste te rappeler ceci. Une vie sans Jésus ne te promet pas non plus une vie toute rose. Sans persécution, sans épreuve. Bien au contraire, en fait. En revanche, suivre Jésus te rachète de la mort éternelle. Pour t'offrir la vie éternelle. Et suivre Jésus te donne une vie épanouissante. En conclusion, le troisième problème de l'homme, c'est qu'il ne connaissait pas assez l'héritage pour quiconque abandonne ce qu'il a de plus cher et qui suit Jésus. Retiens bien ceci, ce que tu as à perdre dans ta vie ne vaut rien par rapport à ce que tu as gagné pour la vie avec Jésus. Ce que tu as à perdre dans ta vie ne vaut rien par rapport à ce que tu as gagné pour la vie avec Jésus. Rien sur cette terre ne pourra égaler, même pas arriver à la cheville de ce que Jésus peut t'offrir maintenant en fait, dans le temps présent mais également dans le temps à venir. Si tu n'en es pas assez convaincu, c'est que tu ne connais pas suffisamment l'héritage incomparable que t'offre Jésus. Il y a un principe simple que tu dois retenir ce matin, c'est que pour tout recevoir, il faut que tu donnes tout. En conclusion, on arrive à la fin de mon message. Le vrai problème de l'homme riche, ce n'était pas qu'il était trop attaché à ses richesses, mais c'est qu'il ne connaissait pas assez la richesse de s'attacher à Jésus en abandonnant tout pour lui. Oh, laisse-moi te le répéter et mettez-le dans le chat s'il vous plaît, les amis, ça doit rester gravé dans vos cœurs ce matin. Le vrai problème du jeune homme riche n'était pas qu'il était trop attaché à ses richesses, mais qu'il ne connaissait pas assez la richesse de s'attacher à Jésus en tout abandonnant pour lui. L'homme riche a plus un problème de connaissance qu'un problème d'idolâtrie. Il ne connaissait pas assez la grâce de Dieu pour lui, l'amour infiniment grand que Dieu lui portait, l'héritage incomparable qu'il pouvait avoir en Jésus-Christ. S'il en était convaincu, il aurait accepté de lâcher ce qu'il avait de plus cher à ses yeux, c'est-à-dire ses richesses pour le suivre. Laisse-moi terminer par ce verset de Paul. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, versets 8 à 9, on lit ensemble. « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Amen. Comment Paul pouvait-il considérer tout ce qui réside sur cette terre comme de la poussière? Il utilise même le mot « ordure », traduit en grec par « skubalon », qui signifie littéralement « rebut »,« bouse », »,« déchet », »,« excrément », ce qui n'a plus de valeur, ce qui est jeté au chien. Comment Paul pouvait-il considérer, dire que tous les plaisirs de la terre, le sexe, la famille, l'argent, le confort, les amis, les enfants, tout cela, en fait, était des scubalones, des ordures, des objets sans valeur donnés aux chiens, en fait. Parce qu'il avait un bien suprême, un bien meilleur que tous les autres. Lequel? Une connaissance intime, profonde, subjective, réelle
de Jésus-Christ, son Seigneur. Vous savez, avec Jésus, c'est tout ou rien. Et comme on l'entend souvent, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette église, il est le Seigneur de tout ou il n'est pas le Seigneur du tout. Alors tu veux comprendre pourquoi les vrais chrétiens lui donnent tout, c'est-à-dire lâchent ce qu'ils ont de plus cher et placent toute leur confiance en Jésus? Tu veux comprendre comment ça se fait que les vrais chrétiens arrivent à suivre Jésus? Ce n'est pas parce qu'ils sont fous, ce n'est pas parce qu'ils sont sans intelligence, ce n'est pas parce qu'ils ont moins de richesses ou de biens précieux que toi, donc c'est plus facile pour eux de tout abandonner, de suivre Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la solitude, c'est encore moins parce qu'ils sont plus désespérés que toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux ou uniques, c'est parce qu'ils ont une connaissance intime, profonde, réelle, subjective, personnelle de Jésus-Christ et de sa personne. Une plus grande que toi. Ils sont convaincus de la grâce de Dieu, imméritée, qui est sur eux en fait. Une grâce qui les a sauvés, eux, pécheurs, des hommes méprisables, des hommes coupables, des hommes condamnables, des hommes esclaves, des hommes désespérés, des hommes incapables de se sauver par eux-mêmes. Ils sont convaincus également de l'amour agapé, inconditionnel, sans limite que Dieu a pour eux. Et ils sont convaincus de la récompense incomparable qu'offre Jésus à quiconque abandonne ce qu'il a de plus cher à ses yeux pour le suivre. C'est pas juste un petit plus qu'offre Jésus. C'est tout en fait. Pour quiconque donne tout. Alors, encore une fois, je vais insister sur vraiment cette notion. Je ne te parle pas ici de connaissances théoriques. Je ne te parle pas ici de compréhension intellectuelle. Je te parle réellement de révélation profonde. Je te parle de conviction réelle, en fait, de cet amour, de cette grâce, de cet héritage. Comment hériter de la vie éternelle? Comment être sauvé? C'est la question qu'on s'était posée. Eh bien, c'est en devenant le disciple de Jésus et en le suivant. Suivre Jésus signifie lâcher ce qu'on a de plus cher à nos yeux, afin de placer toute notre confiance en lui et nous repentir de nos péchés, et que lui, à son tour, devienne ce qu'on a de plus cher à nos yeux. Prends conscience vraiment, véritablement, maintenant, que ce qui va déterminer ton cheminement avec Jésus, c'est avant tout, ta connaissance personnelle de sa personne. Tout tourne autour d'une connaissance subjective, intime, profonde, profonde, de qui est Jésus. Alors la question que je te pose ce matin, c'est: quels engagements vas-tu prendre aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas à la rentrée de l'église? Quels engagements vas-tu prendre aujourd'hui pour le connaître réellement ou pour le connaître plus profondément? Prions ensemble. Seigneur Jésus, je m'approche de toi d'un cœur sincère et je veux vraiment te remercier pour ta parole ce matin. Merci pour cette parole qui nous encourage, Seigneur, qui nous remue, qui nous booste, qui nous remet en question, qui nous pique même à certains moments ou qui nous dérange. Père, nous croyons, Père, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons dès aujourd'hui placer toute notre foi en toi, nous repentir entièrement de tous nos péchés, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce qui m'est offerte, que je n'ai pas besoin de mériter, que je n'ai même pas besoin de travailler pour l'obtenir, Père. Juste tu me la donnes, Père, et aujourd'hui je désire la saisir. Merci pour cet amour démesurément grand, un amour, Seigneur, infiniment grand, Père, qui n'a aucune comparaison sur terre, et j'ai envie réellement de cerner davantage. Viens te révéler à moi, Jésus. Merci. Merci pour cet héritage que je peux avoir, que je peux posséder en toi, Père, que je veux réellement également mesurer plus justement, plus profondément, plus réellement, plus intimement. Viens révéler, Seigneur Saint-Esprit, viens révéler à nos cœurs, Seigneur, ces données, cet amour, cette grâce, cet héritage, qu'on en ressorte un peu plus grandi, un peu plus rempli de connaissances à ton égard, Père, parce que c'est cela qui va déterminer ma marche avec toi. Merci pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs, Seigneur Jésus, de chacun et chacune. Bénis chaque personne, fais fructifier ce qui a été semé ce matin. À toi sort toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange pour le siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Le soleil apparaît.
le silence, j'attends que ta voix quitte mes pas. L'éternité réside dans mon âme. Oh, oh, oh. Je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi, sans toi. Depuis l'aube des temps, ton appel est sur ma vie. Et ton plan tissé au plus profond de mon cœur. L'éternité réside dans mon âme. Oh, oh, oh. Je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Merci Adrien pour ce message qui nous a bénis. Et bien entendu, je vous invite à être présent encore dimanche prochain
pour la suite de cette série, enfin de la série Connaître Christ avec le pasteur Salvatore. Les enfants sont toujours chouchoutés et voilà, l'équipe des Kids a préparé une vidéo dont vous pouvez retrouver le lien dans le Facebook, dans le groupe Facebook Kids Impact ou aussi dans le groupe WhatsApp donc des parents. Nous allons lire pour les dîmes offrandes dans 2 Corinthiens 9, du verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toute chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Paul prend un exemple simple de l'agriculture et en quelque sorte, il nous montre que la générosité est un investissement qui permet la réalisation des œuvres bonnes à venir, mais aussi présentes. Alors, merci à chacun de vous qui pratiquez cette générosité. Les kilos d'amour. Si vous passez par une période difficile, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à notre adresse welcome@nouvelimpact.com. Ce sera pour nous un plaisir et un honneur de pouvoir vous aider avec ces colis. Ce sera fait dans la discrétion et pour nous, c'est vraiment, voilà, on a envie de vous bénir. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans des difficultés, un petit mail et alors nous pourrons organiser ça pour vous. Bien entendu, la réunion de prière avec Jean-Christophe en présentiel, n'oubliez pas, le formulaire pour l'inscription se situe en bas, en dessous donc, de la vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est des moments où vraiment on peut se mettre à part, vraiment dans la présence de Dieu avec d'autres frères et sœurs pour vraiment intercéder, prier. Donc c'est des moments à ne pas rater. Comme dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Donc il y a cette ligne d'écoute, Allô Pasteur. Donc si vous avez besoin d'un conseil, peut-être de prière, de quelque chose de particulier, n'hésitez pas, il y a cette ligne pour être en contact avec l'un de nos pasteurs. Bien entendu, abonnez-vous, likez, partagez, que ce soit les messages, le lien du culte, que ce soit nos posts en cours de semaine. Dieu touche, Dieu parle à travers ces petits messages qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes de nouveau, bien entendu, on vous a accueilli, on vous a dit bienvenue et on a envie de vous connaître plus. Alors, remplissez le formulaire qui est en bas de la vidéo. Notre équipe Welcome sera vraiment heureuse de prendre contact avec vous et de vous donner des informations complémentaires. Alors, bien entendu, si vous voulez retrouver, que ce soit un résumé du message, que ce soit l'un des différents formulaires, vous retrouvez tout en dessous du descriptif, enfin, tout en dessous de la vidéo. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, merci d'être fidèle, d'être là au rendez-vous dimanche après dimanche. Bien entendu, on se retrouve dimanche prochain pour encore un moment vraiment béni dans la présence du Seigneur avec le groupe de louanges et les différents intervenants. Et on va vraiment, avant de se quitter, encore faire monter une adoration vers le Seigneur tous ensemble. Merci et on se voit dimanche prochain. Bon dimanche. Sans toi, loin de tes voix si longtemps, mais tu nous as montré un amour meilleur, celui que mon cœur désire. Je lèverai ton nom, ton nom. Il n'y a rien d'autre que je veux faire. Entends le son de nos louanges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Je n'ai jamais connu cherchais depuis toujours, j'ai vu tout.
jamais connu.